Merci de votre compagnie. La police mozambicaine a admis que l'assassinat d'un observateur électoral lundi dans le pays avait été commis par ses agents. Anastasio Matavele a été tué par balle alors qu'il quittait lundi une session de formation électorale dans la province du sud de Gaza. Les autorités du pays ont annoncé que 5 hommes armés de fusils d'assaut l'avaient abattu en tirant à 10 reprises. La raison de l'assassinat reste inconnue. Human Rights Watch avait averti que l'escalade de la violence au Mozambique jetait une ombre sur les élections dans le pays qui se tiennent dans 5 jours. 4 candidats sont en lice. La compétition se situe principalement entre le président sortant Felipe Nyusi du parti au pouvoir Frelimo et Osufo Momande de la Renamo. Ruth. Eh bien, Jerry, alors que les critiques fusent de partout après, vous l'avez dit, la mort de cet observateur tué par une force d'élite de la police, les autorités de Maputo veulent se montrer rassurantes lors d'une rencontre avec les observateurs de cette élection. Le gouvernement a promis de garantir la sécurité des observateurs électoraux qui seront déployés lors de ces élections générales du 15 octobre prochain dans tout le pays, surtout au nord où des groupes armés attaque la population. Le chef de la diplomatie mozambicaine a par ailleurs déclaré que toute situation qui pourrait temporairement empêcher l'accès à ces zones sera communiquée par des voies officielles. En notre compagnie, Adriano Nuvongo du Centre pour la démocratie et le développement de Maputo. Merci de nous avoir rejoints, professeur. L'assassinat d'Anastasio Matavele a choqué beaucoup, mais ce n'est pas le premier acte de violence dans cette élection. Que nous révèle la mort de Matavele sur l'atmosphère dans laquelle se déroulent les opérations avant le vote? L'environnement électoral ici est marqué par la violence. D'un côté, nous avons la violence politique la plus générale avant la période électorale. Et maintenant, l'on a l'utilisation de l'appareil étatique pour violer les droits humains, avec notamment le meurtre d'activistes clés de la société civile et en particulier ceux qui sont impliqués dans les élections. Cela veut dire que le régime, le parti politique au pouvoir, tente par tous les moyens d'intimider les personnes qui souhaitent que les élections soient libres et que les élections soient équitables. Professeur Novoga, il y avait, on va dire, beaucoup d'espoir en cette élection qui, selon certains, contribuerait à la paix, à consolider la paix, surtout après l'accord de paix signé entre le Frelimo et la Renamo, l'opposition. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet enthousiasme? Quite the opposite. We are highly disappointed. Bien au contraire, nous sommes très déçus de constater que même si un troisième accord de paix a été signé le 6 août dernier, eh bien, la violence n'a pas pour autant cessé. Au moment où je vous parle, un groupe de rebelles dans le centre du pays, il était censé arrêter l'usage des armes à feu dans le cadre de l'accord de paix. Mais cela ne s'est pas produit et des gens continuent à être tués.
Nous voyons des signes évidents de détérioration de la démocratie et d'indicateurs clés de l'autoritarisme. Il est donc regrettable qu'à 6 jours de l'élection, que l'objectif de consolidation de la démocratie ne soit pas atteint. Bien au contraire, nous allons dans la direction du déclin de la démocratie et des droits de l'homme. Le Mozambique est un pays riche en ressources naturelles qui veut profiter de cela pour avoir des bons résultats économiques. Le gouvernement a hâte, n'est-ce pas, de le faire. Mais il y a un groupe dissident qu'on appelle la RENAMO qui s'oppose à l'élection. Est-ce qu'on peut comprendre quels sont les enjeux? Je pense que les enjeux sont tellement importants. D'une part, nous avons un parti hyper dominant, le Frelimo, qui considère its meta-narrative, post-liberation meta-narrative, que l'élection, n'est-ce pas, ne fait pas partie du package de l'accord de paix. Comme vous le savez, l'inscription sur les listes électorales a été truquée dans des régions clés du pays, notamment à Gaza, où cet observateur des élections a été assassiné. Cela laisse donc clairement entendre que nous ne pourrions pas avoir des bonnes élections. On ne peut pas avoir de bonnes élections en fonction de la manière dont les autorités électorales gèrent le processus en ce moment. Et bien sûr, les milieux d'affaires, en particulier ceux du secteur du pétrole et du gaz, attendent énormément de savoir si les élections seront libres et équitables, car la stabilité est nécessaire pour le développement de leur business.